En 1956, le général de Gaulle vient en Guadeloupe. Alors, il est accueilli dans le feu général, évidemment, en tant que libérateur de l'Hexagone, auquel les Domiens ont participé. Venir en Guadeloupe, arriver à Pointe-à-Pitre, il voit l'état de la ville, des nombreux faubourgs paupérisés. Et donc, pour lui, ça, ce n'est pas acceptable. Alors, on va adapter à Pointe-à-Pitre l'urbanisme corbusien hérité de Édouard de Charneret, dit Le Corbusier, qui est basé sur la séparation des fonctions urbaines, à savoir les quatre fonctions urbaines, se loger, on se loge dans une ville, on y travaille, la fonction travailler, on se déplace aussi, et on a tendance à l'oublier, on se détend aussi dans une ville. Donc, ce principe de la séparation des fonctions urbaines va être adapté à la ville de Pointe-à-Pitre. L'urbanisme progressiste prend corps en Guadeloupe avec la politique de planification et de rénovation urbaine, début des années 60, après le passage d'André Malraux en Guadeloupe en 1961, pour pouvoir faire acter par l'équipe communiste d'alors, le docteur Henri Bangou, une architecture influencée par l'architecture du célèbre architecte Oscar Niemeyer qui a construit Brasilia. Et donc, il n'y aura aucune difficulté pour qu'en Guadeloupe soit planifié un urbanisme élaboré sur la séparation des fonctions, habiter, se déplacer, travailler et se détendre, qui se retrouveront sur les quatre communes de la région pointoise de l'époque. La fonction habiter a été privilégiée, bien sûr, sur la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre des années 60. La fonction travailler a été, bien sûr, privilégiée sur la commune de Bemao. On a privilégié sur le territoire des abîmes la fonction circuler. Voilà pourquoi vous avez des rocades, des bretelles qui sont dignes de la région parisienne avec un effet de couronne en termes de tracé. Il reste la dernière fonction, la fonction se détendre. Le territoire de Gosier se prétend à l'aménagement de cette fonction. Et c'est comme ça qu'on a vu beaucoup d'hôtels, tous les L qu'on a connus, nos hôtels, frontières, etc., qui se sont développés sur le territoire de la commune du Gosier. La lecture critique, alors au départ, ça représentait certes une avancée, ça représentait une coupure nette par rapport à l'urbanisme créole que nous avions alors. Séparation des fonctions urbaines déjà. La rue de la ville créole, en rez-de-chaussée d'immeubles, vous avez des commerces, des activités, et à l'étage, vous avez la fonction habitat. Or, ça représentait une rupture nette. Première critique. Deuxième critique, c'est que l'architecture, ça ne représentait, même si ça représentait une certaine avancée, mais au fil du temps, l'architecture au niveau de la fonction habitée, les gens ne se reconnaissaient pas dans ce type de logement. Nous, on vit à la véranda, la galerie, la loggia, c'est quelque chose de très important en matière d'habiter. Et c'est comme cela que sur un petit territoire, de moins de 266 hectares, on aura la plus vaste rénovation urbaine de France de par son étendue.